Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis, ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Yon grand problème, pire les bulletins de vote. Yon va venir devant vous voter pour vous. Et ça qui est là, yon met vinar comme, ou prendre comme là, ou va voter pour vous. Et problème ça, il y a un autre problème. Donc, qui n'a coup d'état, son seul maladie, on souffre, les maladies bulletin de vote, il n'y a pas qu'à joindre en matière de l'église. Nous connaissons que l'église, il y a de l'église en Haïti qui est en crise. Il y a des pères, pasteurs, pères aucun de nos pédophiles. Où est l'église en crise? Monseigneur, quand des volets fait, il dit, monseigneur, il va dire toute l'église dans ça, on monseigneur, on commande 6000 tonnes fait, soi-disant pour l'église, et puis fait assez vendre, il va pas le vendre. Son commerce qu'on t'a pas faire, c'est pas pour aller bâtir l'église pour te commander faire. C'est normal que l'État qui a des 6 000 tonnes faire à la douane. Et il y a une raquette côté comme monseigneur. Et pour ça, il dit, il n'y a pas de problème, l'État n'a pas de problème à toute l'église. Le problème, non, l'État a un problème à monseigneur qui t'a envolé faire. Ou commander 6 000 tonnes faire, ou une franchise comme l'église, c'est normal que au baoul, si faire, pour aller bâtir l'église. Mais l'FA est vendu, pour aller vendre dans l'arrière, mes amis. C'est normal que l'État qui a des faire. Donc, ou même comme monseigneur, fâché pour ça. Bon, gagner trois pasteurs, nous connaissons. Nous connaissons au niveau, même, soit sur compte Twitter, moi, je vais prendre 5 vidéos qui qualité pasteur que nous gagnons. Et c'est pour ça qu'on l'a dans l'émission. Nous disons, mes amis, moi-même, je suis chrétien, c'est catholique. Nous disons, quelle église catholique, quelle église protestante, quelle baptiste, quelle adventiste 7e jour, santé spirituelle, on fait son bagage qui est important. On va quitter n'importe qui monde, vin ou gant, pasteur ou bien père. Même si on vient longtemps, mais c'est l'embra l'église Sainte-Marie, dans le canapé vert là. C'est qu'on paie les pères Baudry. L'homme tout père, c'est ton saint. Le père a parlé, ouais, c'est la parole bon Dieu qui a sorti. Père, c'est qu'on santé spirituelle là, Kaili. Il contamine tout le monde à santé spirituelle qu'il gagne. On sent si c'est parole bon Dieu, parole Jésus. Ou elle est la communier à Jésus. Elle a parlé en tant que père. Je dis à ma douce frère, je conseille des pères. On parle 10 minutes avec lui, on n'a pas aucune spiritualité là, Kaili. Sentiment bon diable à la Kali. Son position était besoin. C'est dans le matériel rouillé. On sait des pères passer comme ça au diable. Et comme d'adou, n'est que pas passé dans l'école théologique. Longtemps, on est pour venir père dans le séminaire. Mon paquet d'études qu'on fait sous la Bible. Et pour venir communier à bon Dieu pour qu'on vienne père. Même j'en tout, dans l'église protestante longtemps, on sait des pasteurs absents de mes amis. Nous sommes Jean Abel. C'est mon pasteur, les pasteurs Brown. Mes amis. Parce que longtemps ça a fait, où est ce Jésus qui n'a pas bouche mon où est mon Jésus tout bon? Où est-ce qu'il y a des politiques qui a baissé faire, passer, essayer de venir passer président dans la bêtise là, il y a pris le président après Dieu. Il n'y a pas contre l'église, non? Il n'y a pas opposition, il n'y a pas contre bon Dieu, non? Si n'y a pas contre bon Dieu, t'as connecté, depuis qu'on a bon Dieu, moi-même c'est catholique, moi-même sont après Dieu qui m'y depuis qu'on a l'église catholique, nous tous fidèles l'église catholique, après Dieu. Parce que nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Nous savons dire que nous y est. On n'est pas contre ça. Moi, on pas essayé de passer des choses dans la bêtise. Et parce que nous n'avons pas contre l'église là. Nous n'avons pas contre la parole de Dieu. Nous, tous fidèles dans l'église catholique, savons dire que nous y est. Parce que nous faisons à l'image de Dieu. C'est comme ça qu'on fait nous. Donc, l'on les m'a prédit, son compliment qu'on fait, oui. Parce que nous faisons à l'image de Dieu. Pas qu'on fidèle catholique là, matin, captendez. Qui pas répéter ça bas ou ça prédier nous tout apprécier nous même qui dans l'église là quoi nous sommes faits et on fait nous à l'image de Dieu mais je dis à dans l'église là qu'il baptiste qu'il protestant qu'il adventiste qu'il catholique et même ou gagne pas d'information quand on arrive devant baptiste ou besoin de adventiste 7e jour devant protestant devant catholique qui a parlé en tant que leader de l'église c'est comme l'autre bagaille oui le niveau de spiritualité dont mon Seigneur longtemps. Et on l'autre bagaille, oui. Moi, l'église, nous, y'a tout non comme son lieu matériel. Son sacrilège que lui, il est arrivé dans l'église bon Dieu. Et moi, on sait des nègres dans tête l'église à prendre position qui n'est pas position fidèle. Yo. C'est pour ça qu'il y a une déconnexion entre l'église là et fidèle. Yo. L'église n'est pas en corruption. L'église catholique n'est pas en corruption. Mon Seigneur, tu dois révoquer mon Seigneur ça qu'elle fait raquette à 6 000 tonnes de fer. Faire, c'est pas pour bâtir l'église. C'était pour faire raquette. Monseigneur, tu dois sanctionner. Matérialité, ça. Je ne pas dire que l'église n'a pas un aspect matériel, non, mais moi-même dans l'église, nous délivrons, c'est le spirituel d'abord. Et tout le monde qui attendait là, dans quelle que soit dénomination, protestant, catholique, baptiste,
Vous comprenez ça, Mabdia. Parce que la santé spirituelle d'un peuple, son bail qui est important, c'est la santé spirituelle, ça, qui a disparu, qui fait mon aboulé moun. Mon aboulé moun à manchette, mon non fait de violence. Vous n'avez pas respecté la vie. Mais vous n'avez pas santé spirituelle dans la société, vous n'avez pas valoriser la vie. Même culture de la vie dans le pays a disparu. Et moi-même, matin, dans un cri que m'a fait, pour critiquer l'église, son cri de mes amis, ressaisis-nous. Rejoindre spiritualité, bon Dieu, Jésus, l'église, son cri d'alarme. Moi, je m'a pensé, mon cri comme si, je m'a mis pour mon Seigneur, je m'a mis pour paix, je m'a mis ça m'a fait là. C'est santé spirituelle, pays, le pardon, l'amour, la réconciliation. Il faut regarder l'autre en vain, le bien de l'autre, le bien d'autrui. Et là, les gars disent qu'il y a une dictature dans le pays. Qui veut dire qu'il y a une dictature? Depuis qu'il est. Mais il y a je dis à des gens qui, je ne sais pas si c'est radio, mais ils parlent à l'école par rapport à journaliste à l'école. Moi, il y a une signification. Comment faire Haïti ta une dictature, je dis à l'aide d'un rapport mondial qui sorti sur la liberté de la presse, Haïti 83 sur 189. Dans le rapport mondial sur la liberté de la presse, Haïti 83 sur 189. Si tu as une dictature en Haïti, nous n'avons pas mis 15 derniers, nous n'avons pas 83 sur 89. Mais il n'y a pas de qui s'est parlé. Si tu as une dictature en Haïti, il y a un rapport mondial qui fait sortir sous démocratie. À cause de coronavirus, il y a un paquet de pays qui perdent pile point dans le rapport mondial de la démocratie. Nous-mêmes, nous perdions une place. Et c'est le meilleur score que nous y ayons en matière de démocratie depuis 2006. Je veux nous prendre samedi à vos réalités, rapport à sur Internet là, Google Li, rapport 2020 sur la démocratie dans le monde. Wapwell. Si j'ai un dictateur en Haïti, ou t'attends d'un président dit, ou ma vie, ou t'attends des présidents dit, élection, pour qu'on l'autre président monte les mandats finis. Sous 24 des côtés candidats là, à Kiba, à Corée du Nord, Kim Jong-un. Ah, si t'as un dictateur, ou t'as qu'à faire ramasser, si t'as un dictateur, qu'à faire mouvement vérité, si t'as un dictateur, mon seïdé n'est qu'à baillement si les soins dans la radio, t'as capable. Monsieur, n'est qu'il dit n'importe quoi. Si t'as un dictateur, t'as un mec qui dit, qui t'a proposé position, qui a pris, et on va comme ça veut dire. Faut dire la démocratie, à il existe en Haïti, il y a un petit problème. Il y a des gens qui ont dit en Haïti, dans la radio aux États-Unis, au Brésil, puis il y a des démocraties dans le monde. Il y a des radios comme les bagailles qui ont dit dans la radio, au prince, F6 aux États-Unis, qui ont été fermés. Et vous montrez une démocratie en bonne santé. Il y a des bagailles qui ont dit en Haïti, dans la radio aux États-Unis, parce qu'ils ont dit non, ils ont fermé le monde déjà. C'est pour montrer que les gens ne sont pas allés, chaque moment, ils ont besoin de vendre ton bagage pour faire un coup. Et tout bagage, ça, son grand objectif, pour coup d'État. Les gens ont fait 8 tentatives de coup d'État en 4 ans, ça ne va pas marcher. Pas boire, c'est votre peuple, pas souffrir, rentrer dans le palais national. Je vais répéter pour vous encore, je répéter au moins 20 fois dans l'émission ça. Ou besoin d'une chef, ou entrer comme président dans le palais national, pas gagner ou pas boire. Nous avons une situation que nous la donne qui est invivable, intenable. Tout le monde a crié, tout le monde a plaint, nous connaissons des kidnappings, nous connaissons des gens qui ont mouru, triboy et ababo, et tout le bagage a dérangé. Et nous parlons de kidnapping. Non? La peur, c'est on lit plus kidnappeur, toujours passer le kidnapping, et c'est pire. Donc, dans cette situation, ça, nous tous, nous avons des mots, pardon, pour nous dire, pour nous capables de faire le calme, retourner la caille en Haïti. Et devant quête et question nous a posé, et c'est comme ça, nous autres du secteur, nous avons une note qui sortit. De l'autre côté, quelques amis, quelques frères, ils ont demandé pour la population en sortie dans une manifestation. Eh bien, nous autres, nous connaissons aussi, nous faisons partie du secteur. Nous connaissons que nous avons donné mandat à la FPH, à la Fédération, qui c'est Fédération Protestante d'Haïti, qui est capable de prendre toute décision et convoquer le peuple en sa généralité. Et nous connaissons ces Fédérations Protestantes d'Haïti qui fait interface entre l'État haïtien pour le gros du secteur. Eh bien, nous, non seulement nous parler avec Frère Noyo qui écrit, qui m'a dit pour le peuple à sortir, aller dans la manifestation. Hein? Nous, c'est un bon bagage. Et nous-mêmes, tout, nous voulons aller manifester. Mais nous dit Frère Noyo, attention, répétons-nous pour nous capables de parler ensemble, pour nous capables de prendre une position qui est plus noble. Puisque protestants pas capables de vivre de tête chargée de tracas, nous pas capables de prendre une décision qui est partisane non plus, lorsque gagnent des décisions qui partisane, secteur protestant l'a détruit, l'a fini. Et c'est un objectif ça qui fait que
nous voyons notre ça pour nous avertir la presse que nous au courant, pour nous faire tout le monde connaître que nous-mêmes, nous voulons manifester. Mais dans condition, frère Nouyo, qui soumet Bagaïsa, il n'y a pas fait nous plaisir parce que lui exclut nous. Nous parlons d'exclusion, hein, puisque c'est un marche au diable fait contre dictature. Mais là où exclut propre frère, et ça, c'est la dictature. Lorsque nous gagnons, c'est la Fédération protestante d'Haïti, qui lui-même gagne autorité et autorisation que nous balle, nous déléguer pour le faire ça, et que ouais, même moun qui vote loi by fédération, il a passé fédération en papier, et bien nous m'en non, pas faire ça, halte là. Et que ouais, même fédération, hein, lui oblige sortir une note pour lui dire que lui désolidarise parce que lui pas by personne moun doit pour signer dans place. Donc c'est dans objectif ça qui fait nous faire note sa sortie pour faire public la connaît que nous voulons manifester, mais frère, nous voulons faire ça sans nous, donc nous voulons ramener à l'ordre pour nous venir joindre nous, nous tendre bras, nous bayo, pour qu'ensemble nous fassions bagay qui gagne plus haut niveau là-dedans. Là où c'est protestant, là c'est chrétien, faut gagner le juste milieu. Ou pas capable là seulement pour dire ça a pas bon, ça a pas bon, ça a pas bon. Ou on le pas où c'est pour dire ça a bon, ça a pas bon, on nous corrige ça, puisque en général, pas gagner un monde qui pas bon net. Pas gagner un monde qui fin bon net. Toujours gagner car, toujours gagner d'art, toujours gagner tard, qui pour corriger. Mais là où qu'on est que monde qui prend des positions, yo, c'est des mondes qui tantôt étaient là, pour petit bagaille quelconque, lui vivre la l'autre bois, parce que lui gagne un compte la régler, eh bien, ouais, que position en vine partisane, puisque gagne un règlement de compte là-dedans. C'est ça que fait nous-mêmes, nous dit, vini, en nous, pas faire règlement de compte avec personne, vini ensemble, nous tendre bras nous, pour que nous, à travers la Fédération protestante d'Haïti, lancer un vibrant appel à la population, pour nous capables de manifester. Moi, je crois que c'est pas seule fédération protestante, non, qui est capable de réunir les peuples là pour capable de faire tant de voiles. Il y a aussi FEPADNO. Il y a aussi, on t'a dit, CONASPE. Il y a un droit pour faire ça parce que eux-mêmes, c'est une entité à part. Mais non, pas oublier que c'est Fédération protestante d'Haïti, à travers un décret sur la présidence de monsieur Josler Privert, c'est fédération qui gagne droit pour prendre des décisions étatiques pour le secteur protestant. Là nous parler des secteurs protestants, qui est-ce nous en termes de composition, composante. Dans le secteur protestant, d'abord nous est toute l'église de Dieu, nous est même l'église épiscopale si c'est possible. Nous t'a quand même dit église baptiste, église pentecôtiste, toute institution yo les orphelinats etc., qui regroupaient qui gagnait la Bible comme boussole, qui gagnait Jésus-Christ comme chef de foi. Et qui croit dans Jésus, qui croit dans mon Dieu, qui croit dans le Saint-Esprit. Et c'est ça, en général, qui secteur protestant. Pour nous éviter, nous t'a dit, yon katia bombe, donc nous déléguer autorité by la Fédération protestante d'Haïti, et que personne, sous quelque prétexte que ce soit, pas gain doit violer règle ça, violer loi ça, pour capable se cavalier seul, et puis pour détruire une institution qui si noble que la Fédération protestante d'Haïti. Problème qui te nous dit affaire de commission. Bagay ça, un bagay qui d'importance, qu'on a, c'est pas une affaire de commission. C'est affaire de yon institution pour lui. Là, bah, elle a été biaisée dès le départ. Et en plus, non seulement son commission, ouais, commission a vint réduit, bah, elle a, lui vint fait, bah, elle a tourné, même dans une sorte de cancre, une sorte de crabe. Et en dans le tout, ou après que, gen moun qui signe pour la Fédération protestante d'Haïti. Bah, ça a son crise, bah, ça a grave, mes amis, nous pas capables à descendre Fédération en pima. Pas son commission. Et en plus, nous capables d'ajouter que Wabgade dans l'état où il dit que c'est ambassadeur de la Fédération protestante d'Haïti. Thème ça, nous pas gagner en dans loi cadre, en dans statut de la Fédération protestante d'Haïti. Nous pas gagner là-dedans. Donc nous pas appeler pour frère, nous courir, faire fuite en avant pour pas gagner problème, pour pas accuser d'usurpation de titre. Et deuxièmement, parce que nous comptons
m'ta dit masque qu'a fait là. Écoutez, écoutez. Nous toutes n'a subi les arts et les affres du kidnapping. Nous toutes n'ont pas qu'à manger. Nous toutes n'ont pas gain de l'eau potable. Nous pas même gain assez de l'eau pour nous boire. Bon paquet de côté, c'est gratel qu'a déranger moun yo. L'on sorti dans la rue ou pas comme si ou a rentré avec sou pas rentré. Donc fait une marche pacifique. C'est l'affaire de tout le monde. Moi qui vous parle, je suis capable de considérer peut-être comme être, c'est-à-dire comme un manifestant professionnel, ni moi-même, ni équipe que m'appartient à l'IA. C'est comme un manifestant professionnel parce que bagay sa yo, yo interpellé tout haïtien. Ni haïtien qui est dans Haïti, ni haïtien qui vivent dans la diaspora. Donc nous sommes pour la manifestation, mais écoutez, il y a le côté diplomatique de l'affaire Guinée. Moun ki di a fait marche yo, yo connaît très bien qui ça pour faire pour marche la réussite. Pourvu que yo passe voulez passer par la porte que yo voulez passer là pour yo capable d'aller un petit peu soulever mécontentement secteur là. C'est parce que yo pa vle marche la fête. On pa konnen pou ki rezon yo pa vle marche la fête puisque yo konnen côté pour yo passer pour marche la prend. Peut-être que yo ka penser si marche la fête, yo ka gagner compte pour rendre à conseiller de monde qui fait que nan bouche frèm yo vle marche la fête, mais nan action yo pa vle marche la fête. C'est ça fait nous te parler, nous dit mes frères, écoutez, venez et voyons comment on pourrait faire force commune pour défendre cette chose commune. Ou ap gade, au lieu pour yo d'accord avec nous, eh bien gade non, yo prend photo pam, photo paquet collègue, y a publié comme moun qui prend l'argent nan men moun, comme moun qui nan bagay yo rele besap, comme moun qui nan G9. Écoutez, ces messieurs là, ces frères à moi qui me sont très chers. Yo connaît très bien que je suis honnête et toute l'équipe à laquelle j'appartiens, yo tout yo honnête. Mais qui s'est passé lorsque yo fait comme ça? C'est parce que yo connaît moi qui vous parle et l'équipe à Pamna tellement qu'on est gen bagay qui pas ta doué comme ça. Yo t'a voulu faire main bouche. Même m'a dit mes frères pas occuper nous. M'pap mette en rien dans la rue. OK? Et yo connais pas tant comme dans même monde et yo connais moi-même moins gain dossier un paquet monde dans même mais côté m'pap gêner yo m'pap détruire secteur m'pap faire ça donc yo mettre à l'aise yo mettre relax m'pap gagner en rien que m'pral mettre pour dire que voilà vous avez fait ça m'pap ral dire que vous êtes dans l'aide vache là m'pap ral dire que mais qui sont gain dans mon mais valet bagaille ou gain dans main ou m'pap ral dire que c'est pas affaire peuple qu'a régler son affaire règlement de compte, nous ne parlons de déranger personne, mais seul bagay, nous autres, des équipes ça, nous dit que nous ne prenons compte dans même personne, et nous sommes pour la marche, et nous voulons que l'équipe ça, qui yon même tout fait partie secteur, vienne joindre nous, pour nous capables de faire un bon, pour nous capables de faire, marche ça, pour le réussir. Le deuxième raison, m'a dit Guinée, qui fait que monsieur voulait boycotter marche la fois, c'est parce que ça y a lagué sur dôme. Pour ça, me représenter dans le secteur ça. Pour ça, équipe qui est avec moyen, représenter dans le secteur ça. Même bagage à lever plume sous dos, secteur en généralité, parce que ça fait longtemps ma bataille. Ça fait longtemps ma boumée. M'a exposé vime. M'a exposé famille devant une bonne bagage qui pas clair dans la société. Et même monde ça qui connaît qui voulait accuser faussement jodi a yo même yo kon demandé m pasteur bon non ti tant pri on nous sauver bagay la moun yo fait bagay ki pa bon vrai mais tant pri pa parler yo même jounen jodi a et yo konnen moins konnen ki sak nan men yo et puis yo voulait accuser m de ti bagay niaiserie pour m t'a faire grosse lutte ça pour 500 000 goud alors que peut-être gen moun ki t'a ka getan gen million nan men yo. Donc m pa t'a quitter moun rim Guinée nan situation ça. Mais son bagage commun, et nous croyons que très bientôt, nous gagnons pour nous lancer aux manifestations et n'a pas respecter les règles du jeu. Et peuple protestant, en fois ça, il a levé comme un seul homme pour y aller dire, mais ça y remet et mais ça y pas remet. Selon toute information, c'est que camarade là, il quitte nous depuis hier soir. Moi, m'apprends une nouvelle là tôt ce matin, bon, avec un pile émotion, avec un pile douleur, un pile peine, c'est un gros regret et son gros perte pour le mouvement syndical là, connaissant Patrick capacité et ça le représenter pour nous dans le secteur, son vide qui a pris un pile temps pour le combler. Il est clair que le secteur prend beaucoup.
du bon coco, même j'ai payé à tout, parce que j'étais gagné temps au conseil électoral, parmi les neuf, bon, je dis, gagné huit conseillers dans le conseil électoral là, Patrick Kiteo, je pense que douleur, il frappe, peine n'a frappé tout. C'est parti à conseil électoral là, c'est parti à famille, c'est parti à tous syndicalistes qui ont même. T'as une chance de connaître Patrick, travailler avec Patrick. Même j'avais travaillé avec Patrick en plusieurs, vraiment plusieurs occasions. Nous voyageons ensemble, aller Cuba, nous travaillons ensemble Port-au-Prince, dans différentes organisations. Nous échanger, nous élaborer, nous traiter des textes. C'est-à-dire que son camarade que je connais, que je connais très, très, très bien. Bon, malheureusement, il y allait. Nous pas créer une carte, sauf que nous prenons gros coup dans le mouvement syndical là. Patrick Numa a été représenté le secteur syndical là dans le conseil électoral là. Donc son monde nous connaît, font-il parler nous de lui, qui moun l'été. Patrick, son cadre syndical, qui dans le syndicat, et si vous voulez, que moi-même moi avais côtoyé depuis dans l'année 88-90, qui t'a dirigé et au JIT. Ça fait un bon temps. Après ça, Patrick Kevin a dirigé pendant la même au JIT là. Kevin fait partie d'un gros fonds syndical FNSH. Et après ça, Kevin dans Futra comme syndicaliste. Mais Patrick tout, son formateur syndical, son monde s'est gagné en formation comme avocat. Travail que nous-mêmes nous avons toujours fait avec Patrick, qui toujours participé dans la formation syndicale, dans la conscientisation, dans l'organisation. Soit parler de tempérament Patrick, son équipe qui ont sagesse extraordinaire, en monde qui était jamais conflictuel. Patrick pas monde qui a dérangé monde, Patrick pas monde qui a pas cherché problème à monde, son équipe toujours dans le juste milieu, qui a toujours cherché consensus, cherché compromis, cherché entente. Et vraiment, c'était au monde vraiment dur. Et que nos capacités, expérience qu'on a fait avec Patrick, c'était vraiment une bonne expérience. Et ça fait nous dire que le mouvement syndical a perdu un gros garçon, et le pays a perdu un gros garçon. Et c'est vraiment c'est la vie de Bagayen Gadi, que bon Dieu baille, bon Dieu point, que non le béni. Il était malade, ça le dégain. Monsieur était fait un ABC, avec Monsieur Fonstock. Monsieur était opéré, et d'après ça, nous apprenons dans l'hôpital Bernard Meuse. Ensuite, il y a le bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Il s'est retourné. D'après ça, m'a appris depuis 17 février, là, tout récemment. Bon, c'est moi, malheureusement, pas qu'il va qu'à supporter encore. Et puis là, c'est ça, nous gagne comme information, comme nouvelle. Confirmé, c'est moi, pâté la Kaili avec lui. Moun qui était présent, le monsieur Rendeman, et non, moi pas qu'une chance de parler avec eux. Mais information sur quelqu'un, monsieur Mouri, pas qu'une discussion là-dedans. Son coup dur. Voilà. Et merci avec tout le monde qui était branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.